Bien, bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme de la Capitifi. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de Capi t'aime les cubes. Oui, je me suis pas trompé cette fois-ci. Alors, on reprend la sauvegarde. Je sais plus trop où on s'est arrêté. Ah oui, voilà, on était dans. On n'a pas commencé. Faites pas attention au message. Comme je rappelle, c'est l'épisode. Qu'est-ce que je dis? C'est. Le mode millénaire qui fait ça. Donc si je me rappelle bien, on avait dit que on allait aller chercher du bois pour créer notre première maison et trouver un endroit où s'installer. C'est sympathique. Voilà, donc le petit mode que j'ai téléchargé là, ça fait gagner du temps, mais quelque chose d'incroyable. Et fini de monter avec des piliers de boost pour pouvoir ramasser tout. Là vous pouvez voir un cube à la fois, et en plus ça use pas trop les outils. Donc je vais en ramasser un petit stack, comme ça on sera ferré niveau bois. Voilà, allez, encore un, le grand ici. Voilà, ça me semble assez. Je vais aussi casser celui-là pour pas qu'il casse la vue. S'il veut bien. Voilà. Donc, attendez. Dans quel sens? Donc on va partir à la recherche d'une petite maison. Faire un petit réserve de bois. L'épée en avant. Et on va partir face. Pas face à la mer, mais face au petit lac. On va essayer de grimper ça, on va voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'il faudrait trouver un terrain assez plat d'une vingtaine de blocs. Quitte à ce que je le bouge moi-même, hein, c'est pas un problème. Mais quelque chose de déjà assez plat à la base serait bien. Et le moins. Enfin, éviter qu'il y ait de la neige aussi, ce serait pas mal. Il faudrait changer de biome pour bien faire. Mais on verra bien. Je continue là. Oh. Une crevasse et un chien qui vient de se suicider. Donc on continue. Bon, je vais tuer la vache, la deuxième aussi. Voilà, je peux me faire des bottes grâce à ce que je viens de ramasser. Oh, je sens bien ici. Ouais, ça m'amère pas mal. J'ai installé les bases de la maison. Donc, comme je vous ai dit, j'ai prévu un peu la maison à l'avance. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 2. Vous allez voir, c'est une maison assez simple. Mais c'est un style que j'aime bien. J'ai trouvé ce style là dans le mode millénaire, dans les cultures japonaises. Donc vous allez comprendre pourquoi. Donc, voilà, un petit toit. Vérifier si j'étais en normal, oui voilà. Est-ce que j'ai de la terre? Oui voilà. Oh non, pas besoin. Je vais faire ainsi. Donc, je vais enlever le bois là. Vous allez voir, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est simple, c'est juste niveau esthétique. Voilà, donc on finit ce côté-là.
super, on monte de 1. Et voilà, et là on ferme. Ça nous fera un toit avec une forme, je sais pas trop quel genre. Mais je trouve ça assez joli. Voilà, une maison assez simple, mais sobre, mais jolie. On dégage un petit peu les alentours. Voilà, et ce que je vais faire, c'est tout autour de la maison. Il faudrait que je terraforme un peu, mais je vais faire un champ qui viendrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez, je monte mon petit schéma que j'ai préparé. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 8. Oui, il est dans mon chemin, alors je vais le couper. Et je vais placer les blocs juste pour délimiter un peu jusqu'où ça va aller. C'est pour me donner des repères. Hein. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10. J'avoue que ce serait plus rapide avec une pelle, mais j'en ai pas sous les mains. Mais j'installe juste les bases ici, et ensuite je vais aller rechercher le reste du matos que j'ai laissé dans l'ancienne maison. Et en plus, on est installé à côté d'une d'une crevasse que j'irai visiter et puis que je refermerai pour éviter de tomber dedans. Là on enlève le bois. De toute façon c'est pas trop grave, on en a jamais trop du bois. Donc c'est dans cette lignée-ci. Alors. Voilà, donc le champ il va être assez grand, mais vous verrez ça plus tard quand je le ferai. Donc là je suis venu de par là, je vais retourner chercher sans tomber dans la crevasse si possible le matos que j'ai laissé là bas ça j'ai commencé à ranger un petit peu ma maison, et puis je vais faire le contour du champ histoire de délimiter un peu notre chez nous. Et ensuite, on ira explorer la crevasse. Pour voir s'il n'y a pas des minerais qu'on pourrait récupérer. Bon voilà, on n'est pas trop loin. Et vous pouvez entendre le bruit du vent quand je monte en hauteur. En fait, c'est le mode Matmos qui rajoute ça. Donc en fonction de la hauteur où on est, donc niveau bloc, eh ben, on a plus un bruit de vent comme dans... comme dans les montagnes, etc. Je vais te casser. Voilà. On va faire de la place. On va aller replacer tout ça dans l'autre maison. On reprend ça. Je vais laisser le poteau, parce que ici on va dire que ce sera... peut-être le départ d'une mine ou quoi, enfin on sait jamais que je décide de revenir. Donc adieu petite première maison. Et à mon avis, niveau durée d'épisode, ben, je vais faire des épisodes qui durent jusqu'au moment où il commence à faire noir. Et je terminerai l'épisode à chaque fois dans mon lit. Comme ça, niveau temps, ben, ça se respecte et j'ai pas besoin de chronométrer et comme ça... ben, c'est une entièreté d'une journée Minecraft et ce sera pas trop long. À moins que vous préfériez des vidéos plus longues. Enfin, vous me dites ce que vous voulez, moi je ferai en sorte que vous soyez content.
dans notre petite maison. Notre petite maison bien coquette. Voilà, on s'installe. Le lit. On va le mettre contre un mur, c'est plus joli. On va se mettre deux torches hein, pour histoire d'illuminer. Alors, qu'est-ce qu'il faut impérativement? C'est des portes. Là, j'ai déjà pas mal de bois en fait. Donc on crée deux portes. Que je vais mettre de l'extérieur pour vous faire plaisir. Parce qu'on me l'avait déjà dit dans les commentaires de le mettre de l'extérieur. Parce qu'apparemment ça permet de frapper les mobs. Même si je trouve ça plus esthétique de le faire à l'intérieur. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Ah, ça commence à se... Ah, il y a de la lumière là-bas. Donc je vais vite profiter que c'est encore la lumière pour créer... Il va me falloir en fait un nombre de malades niveau barrière en fait. Donc si j'ai compté à peu près dans le schéma, il va me falloir à peu près 51. Donc ça va être assez énorme. J'ai déjà commencé à en placer quelques-unes. Peur que les mobs arrivent pour me faire attaquer. Je vais vite fermer ça. Ah, j'ai sursauté. Une araignée qui m'attaque. Oh, un œil d'araignée. Si ce qu'on m'a dit est vrai, les yeux d'araignée, apparemment, ils serviraient pour pouvoir rejoindre le monde de fin, qu'ils appellent ça, The End. Le monde des Enderman. Et peut-être dans une prochaine vidéo, j'essaierai d'y aller. Enfin, on verra comment on va se développer, on verra plus. Donc je me mets dans mon lit et je vous dis à très bientôt. C'était l'épisode 2 de Capitaine les Cubes. Salut à tous.